Mesdames et messieurs, chers collègues, la faculté des sciences économiques, commerciales, des sciences de gestion et le laboratoire de recherche au management des organisations ont le plaisir d'organiser en cette matinée et pour demain matin également un séminaire national sous forme de webinaire consacré à la compétitivité des PME, facteur de croissance de l'économie algérienne. Comme nous le savons tous, l'économie algérienne est essentiellement une économie basée sur les PME et malheureusement, avec la pandémie, nous avons constaté sur le terrain que de nombreuses PME ont déposé le bilan, que d'autres ont des difficultés énormes qui les empêchent à continuer leurs activités. Et c'est la raison pour laquelle la faculté des sciences économiques, commerciales et sciences gestion, ainsi que le laboratoire LAREMO, consacre ce séminaire aux PME. Quels sont les facteurs qui bloquent les PME? Quelles sont les contraintes sur le terrain? Et comment y faire face pour pouvoir relancer la compétitivité des PME? Comment créer d'autres PME nouvelles? Et comment faire face pour qu'il y ait retour à la croissance économique? Ces interrogations feront l'objet de plusieurs communications au niveau des participants, que ce soit à l'Université Mouad Mami, que d'autres collègues qui sont dans d'autres universités, dont nous souhaitons bon courage pour leur participation et nous les remercions vivement. Alors, je vais tout d'abord passer la parole à Madame Lavoyenne qui va dire deux mots par rapport à ce séminaire consacré au PME. Je vous remercie, M. Kouzi. Bonjour tout le monde. Avant tout, je tiens à vous présenter ses excuses de la part du recteur. Il n'a pas pu se présenter, d'une part, c'est lié à sa convalescence, il est rentré qu'hier, et en même temps, il a des engagements très urgents. Donc, il m'a demandé de s'excuser auprès de vous. Je tiens à remercier donc le laboratoire ainsi que le président porteur de ce projet, de cette initiative par rapport à ce séminaire. C'est toujours un plus pour la faculté, toutes ces organisations. Je tiens à remercier le comité d'organisation ainsi que le comité scientifique pour son apport par rapport aux différents travaux, évaluations et expertises. Comme je tiens aussi à remercier les participants et sans oublier l'apport indéniable du réseau pour la réussite déjà du premier colloque qui a été porté par ce labo et celui d'aujourd'hui et de demain que je suis certaine qu'il se passera dans de très bonnes conditions. Donc, je le remercie pour son accompagnement. Je tiens aussi à ne pas oublier les sponsors qui ont pu aider à la réalisation de ce colloque, à savoir Familities, NAFPEC et Infotrafic. Nous les remercions vivement pour leur contribution. Je tiens aussi à remercier Monsieur Mousseloui, pour avoir accompagné aussi M. Desch dans l'opération de l'organisation de ce colloque. Donc, sans trop tarder, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit mon collègue M. Gondouzi par rapport à l'importance de la thématique, à savoir la compétitivité des entreprises, des PME surtout. Et sachant que c'est un tissu très important au niveau de notre wilaya, je suppose que c'est pareil sur le territoire national. Mais le risque est que la plupart des petites et moyennes entreprises sont en train de déposer le bilan. C'est lié à beaucoup de contraintes qui sont dues à plusieurs, évidemment, situations, que ce soit administratives, que ce soit des restrictions liées aussi aux importations, ainsi de suite. Donc, je laisse ces questions-là aux différents communicants, aux différents experts, d'en discuter. Donc, sans trop tarder, je repasse la parole à M. Gündüzü. Merci Madame la Doyenne. La thématique sur la compétitivité des PME a été choisie par une équipe de recherche du laboratoire LAREMO, l'équipe entreprise algérienne et compétitivité qui travaille sur les PME, leur rôle dans le tissu économique algérien. Et cette équipe a fait déjà pas mal de travaux liés à la compétitivité. La parole au docteur Abdash Lies, qui est l'initiateur de ce séminaire et qui a pris en charge depuis le début toute l'activité pour que nous soyons aujourd'hui présents pour l'organiser.
je lui donne la parole. Merci, M. Mendouzi. Bonjour à tous. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je vous remercie d'être vous êtes déplacé au nom de votre présence pour cette manifestation scientifique. Personnellement, je vais me limiter à quelques mots, puisque l'essentiel a été dit par le professeur Biya, qui est le chef de notre équipe, portant sur la compétitivité des PME au sein du laboratoire Marine. Je voudrais bien évidemment remercier la doyenne de notre faculté qui a mis à ma disposition tous les moyens nécessaires pour organiser cette manifestation scientifique. À aucun moment je n'ai dû attendre ou bien revenir une autre fois. À tout moment, elle m'a reçu. Je la remercie publiquement pour cela. Également, je remercie les membres de notre équipe qui m'a fait confiance et m'a donné la responsabilité de, ce séminaire. Je souhaite la bienvenue aux représentants d'entreprises qui nous ont soutenus. Ici, je vois, c'est la représentante de la Sarle Phoenix. Vous êtes la bienvenue à l'université. J'espère que vous allez pouvoir enrichir les débats par votre expérience. Je tiens également à exprimer un vif remerciement à M. Hamjad, qui est responsable de la SAR Marpec, qui m'a vraiment soutenu, qui a cru en moi. Je le remercie vivement. Il y a également, je tiens également à remercier notre comité scientifique qui a répondu présent pour l'évaluation des contributions qui ont été proposées pour la présentation au séminaire. Également, je remercie principalement le comité d'organisation, c'est mes amis et collègues qui ont travaillé très très durement pour faire réussir cette manifestation scientifique. Dans le sujet, bon, je ne vais pas aborder les éléments scientifiques puisque je vais laisser ça aux soins des communicants. Mais dans l'ensemble, les PME, c'est le moteur de toute économie. Et notamment en Algérie, avec les difficultés qui ont été constatées au niveau des entreprises publiques, c'est le secteur privé qui a pris le relais pour l'investissement au sein de notre économie. Notamment par le manque de réussite lorsqu'on a essayé d'attirer les IDE. Donc c'est des privés algériens qui ont investi leur fortune en Algérie pour créer de la valeur, créer de l'emploi et créer et produire et diversifier l'économie. Les PME ont des caractéristiques très très intéressantes. Ça d'un côté, et notamment leur flexibilité. Mais également, elles sont fragiles. Des fragilités diverses. Et les fragilités peuvent survenir de divers facteurs, des facteurs internes, des facteurs externes. Un maître mot pour surpasser ces fragilités, c'est la compétitivité, qui peut être scindée en compétitivité prix, compétitivité hors prix. Parce que dans l'ensemble, une PME est très dynamique, elle peut arriver à l'exportation, elle peut innover, mais elle peut s'engager très très rapidement dans un processus de défaillance, et qui va l'amener peut-être à la faillite. Donc pour cela, le séminaire a été scindé en plusieurs axes. On a essayé d'ouvrir la problématique pour permettre à tout un chacun d'intervenir dans un domaine donné. Je laisse le soin aux communicants pour enrichir le débat. Merci, monsieur le président. Monsieur Abdeshdes, pour ces précisions sur l'organisation et le déroulement du séminaire, les participants également. Madame la doyenne va proclamer l'ouverture officielle du séminaire. Merci tout le monde. Et en même temps, donc, sans trop tarder, je lance l'ouverture des travaux du séminaire national. Je vous remercie. Bon courage et bonne réussite. Merci.